Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il est temps de parler du deuxième nouveau brawler qui arrive dans la mise à jour de Brawl Stars. On va parler de Max aujourd'hui, qui est un brawler un petit peu... c'est Flash. Flash arrive dans Brawl Stars, voilà, pour faire la chose un petit peu simplement. Dans cette vidéo, on va pouvoir du coup tester ce brawler en avant-première avec le compte développeur, ça va être très très cool. Mais avant de faire ça, je vous propose de passer dans le vrai jeu, puisque la mise à jour a déjà eu lieu, et donc on va pouvoir débloquer ensemble le premier nouveau brawler qui est BA, dont on a parlé dans la vidéo d'hier. C'est un petit peu le bordel, il y a beaucoup de choses de nouveau dans cette mise à jour. On va essayer de faire un petit peu tout. On part d'abord dans le vrai jeu pour débloquer BA. On est parti dans le vrai jeu, mesdames et messieurs. Et regardez ça, du coup, la mise à jour est arrivée. On a le fond d'écran qui a changé, on a la petite musique aussi des vacances. Et on a évidemment les nouveaux brawlers qui sont là. Si on va dans les brawlers tout en bas, on a BA qui est juste ici et qui est déjà débloquable au moment où je vous parle. Et donc les gars, on va aller la débloquer. Évidemment, on va s'empresser d'aller dans le magasin parce que il n'y a pas d'offre pour acheter BA directement, mais j'arnaque un peu le game, j'ai une offre pour acheter un brawler épique, et évidemment le seul brawler épique qui me manque, eh bien c'est BA justement, donc on va aller la débloquer tout de suite. Avant de dépenser les gemmes, évidemment, on va s'assurer qu'on a bien mis le code créateur hashtag tout à droite du shop. Un grand merci parmi vous à tous ceux qui mettent le code créateur hashtag, c'est un soutien qui est énorme. Et d'ailleurs, il y a quelques projets qui vont voir le jour début 2020, dans les premiers mois. Je prépare 2-3 trucs et ça sert à financer voilà, ce genre de projets qui vont arriver. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, je vous remercie énormément pour tous ceux qui mettent ce code créateur, c'est vraiment un soutien qui est énorme. Et c'est parti mesdames et messieurs, on va débloquer le nouveau brawler épique BA juste maintenant. On dépense 170 gemmes, on est riche. On y va, ça nous fait pas peur, on débloque le nouveau brawler, regardez ça mesdames et messieurs, BA qui est débloqué, c'est incroyable. BA aime sa grosse couette, la raclette et ses petites bêtes. Elle attaque à coups de bourdon mécanique et son super est un essaim d'abeilles pas contente. Très très bien, ça fait vraiment plaisir de la débloquer. Je vais un petit peu la tester de mon côté, ça va être très très cool. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble directement en jeu, j'ai fait une vidéo, je vous l'ai dit, sur BA hier. On regarde un petit peu les statistiques, on la joue dans le nouveau mode de jeu également, ruée sur les cadeaux. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, je vous mets la vidéo dans la description de cette vidéo là. Sur ce, mesdames et messieurs, il est temps de partir dans le vrai sujet de cette vidéo. On va parler de Max aujourd'hui qui est juste ici. Regardez tout en bas. On peut le voir, c'est juste derrière le micro. Ça arrive dans 2 jours et 15 heures, sauf que j'ai accès en avant-première au compte développeur. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir jouer Max dans cette vidéo. On va pouvoir la jouer dans différents modes de jeu. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai envie de la tester un petit peu, bon, non seulement dans le nouveau mode de jeu rué sur les cadeaux, mais aussi en Brawl Ball. Je pense qu'avec la vitesse accélérée, ça peut être très sympa. J'en dis trop. On passe sur le compte développeur et on va voir un petit peu ce que ça donne. On est donc sur le compte développeur, mesdames et messieurs. Et donc, voici, je vous le disais en avant-première, Max qui est juste là. Regardez un petit peu le design de ce personnage, encore une fois, très très réussi. Je trouve que les designs en ce moment des nouveaux brawlers et aussi les animations très importantes des nouveaux brawlers sont vraiment vraiment très cool. Même des skins d'ailleurs, c'est vraiment vraiment très réussi. Donc là-dessus, je kiffe et c'est 100% oui pour ma part. Et en plus, c'est un brawler qui est très intéressant parce que c'est un brawler qui va jouer sur la vitesse, mais vraiment. Et je pense que c'est assez polyvalent. On va en parler, on va regarder un petit peu les stats, voir un petit peu ce que ça donne. Pour commencer, Max est un brawler qui est mythique, donc ça va pas être évident à débloquer. C'est pas une légendaire, mais ça reste quand même assez tendu à obtenir dans les coffres. Maintenant, je comprends quand même la rareté de ce brawler-là, parce que c'est vraiment unique. Genre, ça joue vraiment sur la vitesse. Vous allez voir ça, alors peut-être pas sur les stats, mais quand on va le jouer en jeu directement, vous allez voir que c'est vraiment un brawler avec une mécanique particulière et vraiment nouvelle sur le jeu. Et ça, ça fait vraiment plaisir. En termes de santé, on est sur du 4900 points de vie, donc c'est plutôt pas mal. Ça correspond grosso modo à une Shelly, une Elisa ou un Beau. Donc c'est plutôt pas mal, ça résiste quand même pas mal, c'est pas un tank mais ça résiste quand même plutôt bien, donc ça c'est cool. Son attaque, vous voyez qu'elle fait 346 dommages, mais déjà il faut savoir qu'il y a 4 tirs par attaque, donc ça fait 346 x 4, à savoir 1384. J'ai fait ça de tête bien évidemment, c'est faux, j'ai la calculatrice devant moi. Mais voilà, et en plus, c'est non seulement une attaque du coup fait à peu près 1300 dommages, mais surtout, vous avez 4 munitions à chaque fois et ça se recharge très très vite. Donc en fait, vous pouvez quand même bien spammer les attaques. C'est pas trop un souci et c'est pas vraiment un brawler qui est fait pour faire des gros dommages. C'est plus un brawler qui est là pour mettre une pression constante en fait. Vous allez avoir un brawler qui va être sur le terrain, qui va se déplacer très très vite et qui va vraiment pas arrêter de tirer et du coup de contrôler un petit peu le terrain. C'est très intéressant sur cet aspect de contrôle et ça peut mettre des belles pointes en plus pour mettre la pression. C'est vraiment très intéressant. Et en ce qui concerne le super, c'est vraiment l'aspect le plus intéressant de ce brawler. Il s'appelle Avomark et en gros, la vitesse de déplacement de Max ainsi que celle des alliés proches est augmentée temporairement. Et c'est vraiment une belle augmentation de vitesse. C'est vraiment très très rapide. Et donc ça vous permet de mettre une vraie pression sur vos adversaires, de vraiment faire une pointe et pas seulement vous mais vraiment aussi vos alliés.
Et c'est ça un potentiel de dingue dans différents modes de jeu, que ça soit des modes de jeu contrôle comme Razia Gem où vous pouvez vraiment encore une fois mettre la pression, ou alors en Brawl Ball ou en ruée sur les cadeaux qui vont vous permettre de vraiment aller choper, vraiment exploiter une toute petite faille dans la défense pour aller choper la balle et aller marquer dans le camp adverse. C'est vraiment génialissime. Du côté des pouvoirs stars, le premier c'est charger à bloc. Max charge son super en se déplaçant, ça c'est vraiment très efficace, notamment je pense au Brawl Ball et en ruée sur les cadeaux, où vraiment je le disais, hein, c'est pour exploiter les failles et essayer de se faufiler un petit peu dans les défense adverse. Et le deuxième pouvoir star c'est recharge éclair. Max recharge plus vite en se déplaçant. Pour moi ce pouvoir star c'est plus pour justement le contrôle. On parle de Razia Gem, on parle de siège. C'est vraiment un pouvoir star qui va vous permettre de garder le contrôle sur le terrain et de vraiment empêcher les adversaires d'avancer plutôt que de percer les défenses. Voilà, donc vraiment ce que j'aime chez ce brawler, c'est sa polyvalence. C'est vraiment la capacité de soit être agressif et de percer les défenses adverses, soit être défensif et de vraiment contrôler le terrain et empêcher les adversaires d'avancer. C'est hyper intéressant. Vous avez des star power qui vous permettent d'appuyer un côté ou l'autre du brawler, mais dans tous les cas ça va être un petit peu une double fonctionnalité dans les compositions et dans les games qu'on va voir, notamment à très haut niveau, et ça va être hyper intéressant de voir le potentiel de ce brawler une fois qu'il va sortir dans le vrai jeu. On va maintenant partir tester un petit peu Max dans différents modes de jeu. On va la tester en ruée sur les cadeaux, un peu en Brawl Ball, un peu en Razia Gem. On va changer aussi un petit peu son star power, voir un petit peu ce que ça donne, et on va voir un petit peu en pratique, parce que là on a vu sur le papier ça a l'air sympathique, c'est très cool, ça va vite. Est-ce que en pratique c'est très fort ou pas? On va voir ça maintenant. On est parti dans la première game, mesdames et messieurs, en ruée sur les cadeaux. On va voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, pour commencer, vous voyez que Max a 4 munitions et ça, c'est plutôt cool. Ça recharge en plus plutôt vite, comme vous pouvez le voir. Donc, on peut vraiment spammer les tirs et en plus, on a une belle portée. Donc, ça permet vraiment de contrôler ce qui se passe sur le terrain et ça, c'est génial. On empêche complètement la femme d'avancer ici, vous le voyez. Et je vais même passer carrément devant. On va charger le super et il y a le Léon qui respawn. Ok, je me planque ici. 28 points de vie. Tout va bien. Est-ce que je peux choper le cadeau, faire la passe en avant? Peut-être. Mais il n'y a personne en avant. Oh, je m'échappe. Non, je m'échappe pas. J'y ai cru. J'avance un peu le cadeau, mais ça sera pas suffisant. Quoique le bot. Le bot pour la win. Oh oui. Oh, les bots qui me carrient encore une fois. Non, mais c'est terrible. Regardez ça, le cadeau qui arrive. Et ça va être le premier point pour l'équipe française. Incroyable. Je vais repasser sur le côté tranquillement. Faut que je charge l'outil. Donc je fais un petit peu des allers-retours pour charger un petit peu tout ça en même temps avec le pouvoir star. Et là, normalement, on devrait être pas mal. Je vais avoir l'ulti juste avant de choper le cadeau. On va gérer le tic. On prend le cadeau. On active le super. Et on fonce devant. J'ai même pas besoin, mais regardez ça. C'est incroyable, cette Dream Team. Et on marque le deuxième point. Vraiment, vous voyez que le super est ultra efficace. Vous mettez le super, vous allez vraiment très très vite. Et dans cette partie-là, j'ai pas boosté mes coéquipiers, mais j'aurais pu aussi booster du coup notre tic, le tic et la Shelly, et on aurait pu foncer à 3 directement sur le cadeau. Et ça, franchement, c'est vraiment très fort. On part maintenant en Brawl Ball, mesdames et messieurs. On va tester un petit peu tout ça sur une nouvelle map en plus que je connais pas. Donc écoutez, allons-y. On va voir un petit peu, c'est assez ouvert, donc c'est plutôt cool pour Max, parce qu'on tire de loin et ça, c'est vraiment cool. Regardez ça, on met la pression de loin. Derrière, on va pouvoir tranquillement avancer. Enfin, tranquillement. Pas si tranquille, hein. Je rappelle, on est flash, donc on va plutôt être dans la violence. Regardez ça, je m'empare du ballon. Est-ce que j'ai moyen? Peut-être. Non, j'y étais presque. Oh non, j'ai le seum. Déjà, rien que sur cette action, j'adore. Rien que là, je suis complètement fan de ce brawler. Ok, attention, il y a un Daryl qui est là. Faut pas trop qu'il nous mette la pression. Faut qu'on défende tranquillou. Ok. Pour l'instant, on défend. On a l'ombre qui arrive. On va essayer de défendre ça aussi. Le problème, c'est que je peux pas l'arrêter. Oh, la Taraki Akari. La Taraki. Oh, qui défend. Oh là 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 là. Mais les gars, les bots. Les bots incroyables. Oh là, c'est le moment de foncer. Regardez, je donne le boost à tout le monde. Et on va totalement foncer. Regardez ça. On met la pression à l'équipe adverse. Ok, qu'est-ce que. Ok, la Tara, par contre, c'est de... il faut marquer. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu tires en arrière? Marque. Et voilà. Je fais tout tomber. J'ai tout fait tomber. Yes. Eh, non, en vrai, les gars, c'est abusé. Non, en vrai, les gars, en Brawl Ball, c'est abusé. Je vous promets, c'est la toute première partie que je fais avec Max en Brawl Ball. Je trouve ça OP. C'est génial. Bon, même si là, à mon avis, je vais plutôt souffrir. Mais en vrai, ça va. En vrai, on défend la Tara qui fait vraiment le taf sur cette map. Eh, c'est absolument génial. Et derrière, je vais essayer de leur filer le boost aussi avant de foncer. Si j'ai le temps. Oh mais les gars, oh, c'est la domination. Regardez cette domination absolument incroyable. Je vais essayer de passer ici. Attendez, parce que là on est un petit peu sous pression quand même. On va gérer tout ça. Je m'échappe un petit peu. Le Daryl par contre, je peux pas lui piquer.
Ouais, bon après c'est des bots. Bon, j'avoue, après c'est des bots. Donc c'est pas forcément hyper représentatif. Mais bon, c'est quand même une victoire. Je pense quand même, on l'a vu sur la première action, ça peut être vraiment très fort. Vous donnez le boost à tout le monde dans votre équipe, ça peut être absolument monstrueux en Brawl Ball. Vous tapez l'action de votre vie et vous marquez comme ça en 2 secondes, c'est juste génial. Ah, je suis obligé de refaire une partie les gars, je suis obligé d'enchaîner avec une autre partie. Je veux voir ce que ça donne. En vrai, non mais je vais, non mais les gars, je commence à vraiment aimer Max. J'avoue, j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit ok, sur le papier, ouais ça a l'air cool. C'est marrant à jouer mais est-ce que c'est vraiment fort? Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi au début j'étais un peu sceptique, je me suis dit bon, je suis pas sûr que ça soit vraiment très fort. Mais au final, j'admets que la vitesse, c'est vraiment génial. Ça permet vraiment de changer le rythme de la game. Et ça, c'est vraiment intéressant quand vous jouez Max ou pas d'ailleurs. Ça permet vraiment d'alterner le rythme. Et ça, c'est vraiment génialissime. On va foncer, les gars. J'ai pas le time. On va directement foncer dans le but. Boum, c'est fait. C'est trop fort. Non, mais je suis obligé de refaire une partie. Non, mais j'adore. Non, mais Max en Brawl Ball, c'est le futur. C'est le futur. On part sur une troisième et dernière game promis en Brawl Ball avec Max. Parce que vraiment, je trouve que dans ce mode de jeu, Max est juste génial. C'est vraiment, à mon avis, le mode de jeu de prédilection. J'adore. Le seul point faible que je vois, c'est éventuellement en défense. Ça peut être un petit peu compliqué en défense en 1v1 parce que Max fait pas énormément de dommages d'un coup. Et du coup, c'est pas non plus le brawler qui va vous permettre de sauver, de sauver une action, quoi. C'est un petit peu... vous subissez un petit peu en défense et ça peut être problématique pour l'équipe. Maintenant, je pense que le fait d'avoir l'accélération, ça compense largement quand même. Et ça permet de bien mettre la pression. Est-ce que je peux gérer le Daryl quand même un petit peu? Ok, ça va, je vais m'en sortir, tout va bien. Je vais essayer de donner l'accélération à tout le monde. Une fois que le Karl a respawn, tout va bien, on est pas mal. La Piper qui est décédée, c'est pas grave, on va mettre l'accélération. Let's go! Je me faufile à gauche et je me barre. La tête du Tiki qui me chasse, mais je vais trop vite. Il peut pas me rattraper et 1-0 pour l'équipe française. Ça, c'est cool. Vraiment, encore une fois, c'est l'accélération qui a tout fait. Hein. En défense, c'est compliqué, mais derrière, vous calez une bonne accélération et tout va bien. C'est un petit peu à double tranchant, on va dire, ce brawler. Il faut vraiment avoir la main. Sinon, vous êtes un petit peu dans le mal. J'ai le super, donc ça, c'est cool. Il y a le Daryl. Je lui mets un peu la pression en attendant que le Karl vienne m'aider. Tout va bien. Oh, l'accélération. Oui, j'ai la fenêtre. Eh oui, j'ai l'opportunité. Et ça part directement dans les cages, mesdames et messieurs. Vraiment, en fait, c'est punitif. C'est vraiment punitif. C'est vous avez le super, vous avez la moindre petite brèche, la moindre petite fenêtre. Vous mettez l'ulti et vous foncez comme un grand malade. Et ça passe, tout simplement. Et ça, c'est vraiment, vraiment très fort. On part maintenant en Razia Gem, mesdames et messieurs. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai changé aussi de pouvoir star. J'ai pris le pouvoir star qui permet de recharger plus rapidement en se déplaçant. Et je pense que ça va être vraiment pas mal. Ça va permettre de bien bombarder les adversaires. Oula, la Billy qui met la pression là. Ça va pas ou quoi? On se calme tout de suite là. Ça va pas du tout. On a du coup le super. Bon, le super qui va être moins utile du coup dans ce mode de jeu là. Ça permet un petit peu, on va dire, d'éviter certains coups, mais c'est pas non plus le truc primordial, je pense, dans ce mode de jeu. Ah, attention, ok, on est pas mal. Faudrait aller gérer la station juste là et le arcade, ok, m'a complètement éclaté. Très très bien, je me suis fait calmer instant. Ça serait bien qu'on reprenne un peu l'avantage, parce que là, on est derrière, on est... non, ça va, on est à égalité, tout va bien, et en plus, vu que c'est des bots, ils nous foncent dessus. Pourquoi est-ce que je me fais martyriser dans cette game? C'est qu'est-ce qui se passe? Oh, on se calme. C'est des bots les gars, oh. J'ai vraiment l'impression d'être nul. Mais vraiment quand je joue contre des bots, je me dis mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi nul. Le arcade depuis tout à l'heure il met la pression de ouf. Et vous voyez le Mortis là, il attend que de me foncer dessus, je peux rien faire. Il y a des gemmes là-bas, ça serait bien d'aller les chercher. Je vais donner l'accélération un peu à tout le monde. Ok, on est très très bien. Enfin très très bien, non peut-être pas très très bien non plus, mais on est pas mal. On évite les trucs, c'est pas trop mal. Ah, Arcade, il est vraiment terrible. Hein. Il me snipe à chaque fois. C'est bon, on a récupéré les gemmes. Tout va bien. Et en vrai, je veux pas balancer, mais j'ai même pas besoin de me déplacer. Je me fais carry par les bots. Non, mais je vous jure, c'est quand même terrible. Je n'ai rien fait de la game. J'ai passé ma game à mourir. En permanence. C'est quand même incroyable. Mais ça continue en plus. Non, mais c'est incroyable. J'en peux plus de ce jeu. J'en peux plus des bots. Vraiment, c'est, je joue au jeu normal contre des vrais gens, plutôt au niveau en trophée, tout va bien. Mais alors les bots, ça va pas. Je ne peux pas jouer contre des bots. Je me fais martyriser à chaque fois. On va faire une dernière game en Razia Gem parce que je peux pas rester sur ce massacre. Ok, il faut que je fasse un truc. Il faut que je me rachète un peu une conscience parce que sinon ça va pas du tout. Je pense quand même que Max est pas forcément dingue en Razia Gem. Genre, je vois vraiment la différence par rapport au Brawl Ball.
L'accélération en Razzia, c'est vraiment pas fondamental. Et sans l'accélération, Max, c'est un peu moyen. Pour pas dire nul. Donc voilà, je pense que vraiment, il n'y a pas photo. Vraiment, le mode pour Max, c'est vraiment le Brawl Ball. Et derrière, en Razzia, ça peut faire un truc, mais c'est pas non plus dingue. On va essayer de se planquer déjà là, parce que je suis pas forcément très bien. Je suis à 1000 points de vie. J'ai 4 gemmes en plus, donc je veux pas les laisser à l'adversaire. Le Spike, en plus, il essaye de me zioter là. Je le vois arriver. Est-ce qu'on peut aller choper Emery? Ça serait pas mal. Ok, ça c'est fini. C'est nickel. On se fait mettre pression par le Rico, mais tout va bien. On a toujours les gemmes. Le Spike qui revient à l'assaut. On va lui mettre la pression. Et c'est pas mal du tout, ça. On est très très bien. Enfin, très bien. On est à 7-0. Oui, non, si, ça va. On est pas mal. J'avoue. Ne soyons pas mauvaise langue non plus. On maintient la pression, évidemment, sur les adversaires encore et toujours. On sent le désespoir dans leurs yeux. Actuellement, pendant que Max récupère toutes les gemmes. C'est incroyable, on va se faire le spike. Mais oui, on se fait le spike. Et regardez ça, c'est incroyable. Max qui récupère les gemmes. Et ça va être une victoire sans appel. Là, j'ai récupéré mon honneur, les gars. Là, ça y est, on est refait. Mais j'ai pas utilisé l'accélération de la game. L'accélération ne m'a servi strictement à rien. Donc j'admets que... voilà, je suis un petit peu sceptique pour Max dans tout ce qui est mode de jeu, un peu contrôle. L'accélération n'est pas forcément hyper utile, moins que ce que je pensais en tout cas. Peut-être que je suis nul et qu'à haut niveau ça sera utile parce que les mecs esquivent les shots ou j'en sais rien. Mais voilà, pour moi Max, c'est l'accélération qui est primordiale et du coup c'est dans des modes comme le Brawl Ball où vraiment l'accélération est juste géniale. En Razzia Gem, je trouve pas ça dingue. Voilà les gars, c'en est tout du coup pour la présentation de ce deuxième nouveau brawler, Max, qui arrive très très bientôt dans le jeu, ce week-end, pour être très précis. C'est une mythique, donc bonne chance pour la débloquer. Je vous souhaite le meilleur, évidemment. Moi, je pense que je vais gemmer. Soyons honnêtes, non mais soyons honnêtes. Au bout d'un moment, je pense que je vais la gemmer, évidemment, et essayer de la monter au niveau maximum. On verra ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez vu un petit peu la capacité de ce nouveau brawler, que vous avez une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler lorsque ça va sortir. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.